Dominique, viens faire un tour avec nous. Ça va te faire du bien d'aller venir te poser par là. Donc j'y suis. Après, on remontera si tu veux te refaire un petit vol. T'es à l'atéro là, hein? J'y suis, je te regarde faire. Vas-y, commence à venir doucement faire ton approche. On essaye de travailler plutôt à ras le terrain plutôt que d'être à 200 mètres du terrain, d'accord? Donc on vient tranquillement. Zone de faible altitude, t'as bien compris d'où venait le vent, hein, de toute façon. Même si en bas, tu vois, le vent a plutôt une tendance à orienter ouest, ça gardera quand même dans le sens de la longueur, direction du nord. Voilà, on se rapproche le plus possible et on s'en allera, c'est limite, tranquillement. On confirme que là, il va falloir de toute façon faire son altitude relativement bas, parce que tu vas voir que ça porte. Après, l'avantage, c'est que quand on se remet face au nord, derrière, ben, ça dégueule. Ça peut porter effectivement dans toute la branche inférieure. Tu peux faire ton étape de base finalement sans trop perdre d'altitude. Puis en général, quand tu te refous dans la longueur, ça descend. Sauf si le vent est comme là maintenant, c'est-à-dire légèrement ouest. Maintenant, de toute façon, tu vas travailler très 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 bien. Pour se poser là-haut, en général, on arrive à se poser en bas plus facilement après. C'est un bon exercice ça aussi. Travailler des 8 plutôt que de travailler des lignes droites. Lignes droites, tu sais les faire. Tu vois que dès que tu te remets dans cet axe-là, la vitesse elle tombe direct. Hein. C'est pour ça qu'il faut bien travailler le vent du terrain. On essaiera d'enchaîner un petit peu les 8. De toute façon, est-ce que ce petit bout de ligne droite entre les deux virages, bah, il soit le plus petit possible. Et on refait un petit 8 là, ping. Voilà, on rentre à l'intérieur correctement. Vas-y, rentre bien, maintiens ta commande, maintiens. Rentre à main, qu'on ressente, top de ligne droite, droite, dans la petite. Ping. Et on se remet face au vent une petite fois. On rentre à l'intérieur, voilà, on revient au centre, on tourne à la gauche. Boum, demi-tour à gauche. Allez, ping. Voilà, des jolies vides. Ok, c'est bien. On rend la main, on se place face au vent en avançant. D'accord, tranquillement, voilà. Et tu vas me refaire ça encore une fois. Allez, top demi-tour à gauche, c'est parti. On va mettre sur gauche. Voilà. Et on repart par la droite en douceur. Et on repart à droite. Je vais réveiller le tracé. Allez, serre à droite. Maintiens ton appui. Et ça commence. Pour te replacer un petit peu face au vent. On va le faire de ce côté, je crois. Allez, maintenant, finis ton virage. Voilà, rentre un peu à l'intérieur dans le virage, rentre dans le virage, rentre dans le virage. Regarde, là, ça ne tourne plus. Ça ne tourne plus du tout, là. Parce que ta commande, tu ne l'as pas maintenue à baisser suffisamment pour finir ton virage. Du coup, la voile s'est arrêtée complètement de tourner. Du coup, tu devais embarquer la vache. Allez, on retourne se placer face au vent, direction les grands sapins. Tac. On va tranquillement avancer, encore un peu. Et on retravaillera encore une fois, deux petits 8 tranquilles. On va refaire un premier 8. Par la gauche, on enchaînera sur un par la droite, et action, stop à gauche. Voilà, on se décale un peu, c'est bien, et c'est déjà le demi-tour. Allez, ping. On place bien la jambe. Voilà, la main est partie, on met la main, on rend la main. Stop demi-tour à droite, dans la foulée, on attend, maintenant. Allez, la commande qui descend pour régler le rayon de virage, très très bien, on rend la main, le corps est au centre, et c'est déjà stop demi-tour à gauche qui se prépare. Allez, maintenant, ping. Tu vois, ça monte à chaque coup. Ok, on va se retourner tranquillement. Voilà, le demi-tour, on repasse face au vent une dernière fois. Là, tranquillement, face au vent, tu avances en direction de tes sapins. Et comme c'est face au vent, normalement, ton altitude devrait se détruire progressivement. Donc, un petit moment, quand on sera suffisamment bas, on partira en branche vent arrière. On a le temps d'aller chercher les sapins là-bas au fond, tranquillement. Petite paire d'oreilles, si tu veux. Allez, oreille droite, oreille gauche, c'est parti. Dans les mains bien sûr, voilà, on se laisse descendre, on attend, là ça va avancer.
gauche en branche d'Ontario. On est même parti un peu haut, mais c'est pas grave. C'est grand, voilà, et on aligne tranquillement la longueur du terrain. Des petites galeries parce que ça descend fort. Bing bang, oreille droite, oreille gauche, c'est parfait. Excellent ça. Allez, on se laisse descendre tranquillement. On vise le quart de tour avec les oreilles, hein, tranquillement. Quart de tour, ça monte à la passer. On a le temps. On a le temps, tu m'amènes doucement, tu vas chercher le bas du terrain. Voilà, doucement avec les oreilles. On va pouvoir les relâcher donc doucement. Tu les relâches, lâche tes oreilles, corrige ton gap et viens sur nous tranquillement. Aligne ton terrain dans la longueur, voilà. On se met debout, on contrôle ton cap à gauche, léger. Contrôle ton cap à gauche, voilà. Remets loin devant toi. Regarde, loin devant toi, très loin devant toi. Contrôle ton appui. Voilà, très loin, freinage, 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 freinage à fond. Et on lève la main droite. Et on lève la main droite. Voilà. La voile pivote. Regarde, mets-toi face au vent. Voilà. Et on freine à fond.